Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'arbitre doit-il concilier. Merci d'y assister puisque je crois que vous êtes de nombreux inscrits. Il s'agit de la deuxième étape d'un cycle de trois visioconférences sur un thème plus global qui est évolution ou révolution dans l'arbitrage et la médiation commerciale internationale. Ce cycle est organisé par la Global Conference de Paris en partenariat avec le Conseil national des barreaux et prend place dans l'édition de la Paris Arbitration Week. Donc, je remercie chaleureusement les organisateurs pour le très beau travail qu'ils accomplissent une nouvelle année. La semaine passée, il a été débattu de l'impact de la Convention de Singapour sur la médiation. Dans 2 jours, d'autres échangeront sur les outils à mettre en œuvre dans le cadre du règlement des différends engendrés par le risque climatique. Aujourd'hui, nous traitons de la problématique de la conciliation par l'arbitre. Nous sommes donc au milieu de nos trois événements. Pour cette raison, j'invite Maître Christiane Ferralschul, présidente du Conseil national des barreaux, à nous partager son point de vue sur ce cycle. Madame, vous avez la parole. Merci, ravie de participer donc à cette session sur un thème l'arbitre doit-il concilier? Alors, je pense que la première chose est bien sûr de rappeler ce qu'est la conciliation, parce qu'on met beaucoup de choses sous cette définition. Et la conciliation, nous le savons, se définit comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, nous parlons bien sûr du conciliateur, qui doit accomplir sa mission et l'on retrouve l'obligation d'impartialité, de compétence et les diligences qu'il doit effectuer. Le Code de procédure civile est clair là-dessus, article 1530. Alors, puisque nous sommes sur la question de l'arbitre, doit-il concilier? Qu'est-ce que l'arbitrage? L'arbitrage, c'est le mode de résolution des litiges pour lequel les parties, d'un commun accord, décident de soustraire l'examen de leur litige aux juridictions étatiques et définitif à une ou plusieurs personnes privées qu'elles choisissent et qui sont investis pour la circonstance de la mission de juger. Voilà, nous avons la conciliation, nous avons l'arbitrage. En conciliation, vous l'avez compris, la solution, elle est entre les mains des parties, aidées par un tiers. En arbitrage, ce n'est pas le cas. La solution est entre les mains du tiers. Revenons à la conciliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tiers va accompagner, va aider les parties à trouver une issue aux différends qui les opposent. En arbitrage, le tiers tranche le différend à l'instar du juge. Donc, à première vue, qu'est-ce qu'on en déduit? Que la frontière entre l'arbitrage et la conciliation est nette. Puisque le conciliateur va suggérer aux parties une solution non contraignante, tandis que l'arbitre ou les arbitres vont trancher le différend. Donc l'un est un mode amiable de règlement des différends, l'autre est un mode alternatif de règlement des différends. Ajoutons que l'arbitre, lui, va rendre une sentence arbitrale revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui va s'imposer aux parties en dehors de toute acceptation. Donc, on le voit bien, en parlant d'arbitrage, nous sommes, ne serait-ce que par les mots, sur le plan sémantique, nous sommes plus proches du judiciaire que de l'amiable. Pourtant, si l'on regarde bien, la forte incitation des pouvoirs publics à recourir aux modes amiables de règlement des litiges pourrait avoir initié un rapprochement de ces deux modes de résolution des différends que tout semblait opposer à prime abord quand on fait une lecture stricte des textes.
Quand on analyse la loi de programmation du 23 mars 2019, je vous le rappelle, cette loi entendait promouvoir largement les MARD, ces modes amiables de règlement des différends. Eh bien, cette loi a inscrit sur un pied d'égalité la conciliation et l'arbitrage en son article 4 qui traite du processus de certification des plateformes. Alors, quelles conséquences ? Eh bien, la conciliation en ligne, l'arbitrage en ligne, appellent de nous le même niveau de vigilance, c'est-à-dire un très haut niveau de vigilance. Je rappelle que l'un de nos combats au Conseil national des barreaux a été la demande de certification obligatoire des plateformes. Avant la certification, nous avions demandé la labellisation. On nous a répondu non, pas de labellisation, certification. Alors, nous avons demandé la certification obligatoire des plateformes et surtout que celle-ci ne soit pas facultative. C'est une certification facultative. Donc, vous le comprenez, nous portons une attention particulière aux travaux actuels de la chancellerie sur le référentiel de certification. Alors, fort de ce mouvement de convergence entre ces deux notions, conciliation et arbitrage, vous avez totalement raison de franchir le cap en nous posant la question ou en vous posant la question. L'arbitre doit-il concilier ? Je pourrais vous répondre simplement, parce que finalement, qui peut le plus, peut le moins. On peut aussi répondre que le caractère alternatif et le caractère amiable ne s'opposent pas fondamentalement. Parce que dans la conciliation comme dans l'arbitrage, c'est toujours l'humain qui reste au cœur du processus et la volonté commune des parties est une condition de son efficacité. D'ailleurs, si vous vous intéressez à la charte éthique de l'arbitrage publiée dans les cahiers de l'arbitrage du Conseil national des barreaux, vous constaterez que la charte prévoit que l'arbitre peut à tout moment concilier les parties. Non pas parce que qui peut le plus peut le moins, non, mais parce que l'arbitre tranche le litige en respectant les garanties fondamentales de bonne justice. Et aujourd'hui, on ne saurait plus imaginer une bonne justice sans les mardes, sans les modes amiables de règlement des différends. Qu'ils soient amiables ou alternatifs, d'ailleurs le A de marde nous ouvre cette possibilité, mode alternatif de règlement des différends. Alors qu'ils soient amiables ou alternatifs, dès lors que les garde-fous sont posés pour protéger les parties les plus faibles, les plus vulnérables, pas de difficultés fondamentales. Ces solutions de justice, dites alternatives, elles doivent être réinventées. Elles doivent être constamment réinventées par les acteurs, dans le seul intérêt de plus de justice, plus de respect des droits des parties qui s'y soumettent. Alors, j'espère qu'à travers cette introduction, eh bien, vous trouverez de quoi nourrir cette réflexion. Et je ne pourrai malheureusement pas participer à ce débat, mais ce débat est pleinement d'actualité. C'est le moment, plus que jamais, de se poser la question de savoir jusqu'où on peut faire reculer les frontières et faire bouger cette ligne. Arbitrage, conciliation. Donc, dès lors que la justice est au cœur du dispositif, alors à nous, ensemble, de réinventer. Merci pour votre attention. Très bon débat. Bonne suite. Merci de votre attention. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Je vois que nous pouvons évoquer vos nombreuses sollicitations de l'actualité. En cas de l'introduction.
L'arbitre doit-il parler? Alors, le titre pouvait paraître provocateur. Toutefois, comme vous l'avez, comme l'a souligné la présidente Feral-Schul, les liens peuvent exister et les liens peuvent se faire. Ce qui nous a conduit à choisir ce thème de table ronde, ce sont trois éléments. Le premier, c'est une communication qui date de 2019 de Monsieur Alexis Moore, président de la CCI, qui déclarait que les tribunaux arbitraux devaient plus inciter les parties à recourir à la médiation et la négociation, ce qui constitue une évolution et peut-être, nous le verrons, un retour à ce qu'a pu être la pratique de la CCI en matière d'arbitrage. Ces liens entre conciliation et arbitrage s'inscrivent également dans le développement de ce que le professeur Le Cadier appelle l'offre de justice plurielle. Dans ce cadre, selon lui, il doit être désormais possible de passer d'un mode de règlement des différends à un autre en recourant à ce qu'il appelle la technique des passerelles afin de permettre une gestion fine de l'orientation des affaires. Commencer à juger, si cela est nécessaire, pour ensuite essayer de trouver un accord, si cela devient possible, et inversement. Enfin, la recherche d'un accord à l'aide de l'arbitre peut tout simplement être une solution aux critiques récurrentes de longueur et d'onérosité qui sont formulées à l'encontre de l'arbitrage. Pour traiter de ce thème, trois intervenants qui pratiquent donc l'arbitrage, mais à des positions différentes. Dans l'esprit de la Global Pound Conference, nous avons choisi d'appeler à intervenir un professeur et un arbitre, Charles Jarosson, un de ce qu'on peut appeler un utilisateur de l'arbitrage, Monsieur Christophe Lobier, qui est Senior Litigation Counsel chez General Electric, et enfin Maître Christian Cambolive, qui est chargé de la pratique arbitrale chez le cabinet GIDE. Professeur Jarosson, vous êtes agrégé des facultés de droit, professeur à l'université Panthéon-Assas et vous avez dirigé pendant 22 ans le master de contentieux, arbitrage et mode alternatif de règlement des conflits. Vous avez eu la charge de nombreuses nominations, soit en tant que président de tribunal arbitral ou en tant que co-arbitre, sous l'égide de nombreux règlements, CCI, Association française d'arbitrage ou encore Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements CIRDI. Vous êtes également le directeur de la revue de l'arbitrage. Monsieur Christophe Lobier, vous étiez précédemment avocat spécialisé en contentieux des affaires, omis du barreau de Paris et toujours membre du barreau de New York, désormais donc Senior Litigation Counsel chez GE Renewable Energy. Vous gérez des différends au niveau mondial, notamment dans le cadre d'arbitrage et de médiation. Les domaines sont très variés, construction, concurrence, fraude, propriété intellectuelle, contrats commerciaux, voire matière pénale. Maître Christian Cambolive, responsable de la pratique arbitrage au cabinet GIDE, vous intervenez en tant que conseil ou d'arbitre dans des arbitrages ad hoc ou institutionnels, selon des règlements très proches de ceux qu'a eu à pratiquer le professeur Jarosson, CCI, Association française d'arbitrage ou CIRDI. Encore une fois, vos domaines d'intervention sont très larges, puisque cela va de la protection des investissements aux projets d'infrastructure et de construction, en passant par des différends liés aux opérations de joint venture et d'acquisition ou des contrats de distribution et de licence. Vous siégez également au comité de rédaction des quais de l'arbitrage, Paris Journal of International Arbitration. Commençons tout de suite. Professeur Jarosson, selon vous, quel lien entretiennent l'arbitre et la conciliation? Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Oui, vous m'avez demandé de parler rapidement des relations entre l'arbitre et la conciliation. Avec comme première question celle de savoir si l'arbitre doit concilier. Alors, la réponse est non, il ne doit pas concilier, mais il peut concilier. Et pour reprendre les termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge et puis aussi de l'arbitre de concilier. Cet article 12 du Code de procédure civile qui s'applique au juge s'applique aussi à l'arbitre par un renvoi express qui est fait par l'article 1464 alinéa 2 du Code de procédure civile pour l'arbitrage interne. Pour l'arbitrage international, il n'y a pas de renvoi qui est opéré par l'article 1506, mais personne ne doute que la même règle s'applique. Par conséquent, comme le disait d'ailleurs Madame le bâtonnier Feral-Schul en introduction, l'arbitrage. Alors, bien entendu,
La fonction première, quand on pense à régler le litige, c'est une fonction contentieuse, c'est trancher le litige. Mais de manière plus large, régler le litige, c'est faire en sorte que le litige prenne fin, soit par une décision qui a autorité de la chose jugée, soit, si c'est possible, en aidant les parties à trouver un accord. Autrement dit, quand il s'agit de la conciliation pour un arbitre, on doit dire que c'est une démission de l'arbitre et non pas une démission de l'arbitre. En deux mots, avec un accent aigu, de manière à faire la différence. Donc, c'est à l'arbitre d'apprécier le plus souvent si et quand parler de conciliation dans un arbitrage. Il n'a pas d'obligation, donc je l'ai dit, qui pourrait être sanctionnée par la mise en cause, la mise en jeu de sa responsabilité. Mais l'arbitre peut pousser les parties à la conciliation, soit, on le verra, en proposant lui-même la conciliation, soit pour concilier donc lui-même les parties, soit pour les renvoyer vers un conciliateur, ou bien même les renvoyer à une négociation entre elles, ou une conciliation simplement entre parties. Tout est possible. À mon sens, pour une raison psychologique, il est meilleur que ce soit l'arbitre, ou en tout cas il est efficace que ce soit l'arbitre, qui en parle en premier, parce que très souvent, et dans mon expérience souvent, quand j'en ai parlé, des avocats sont venus me dire après que c'était une bonne idée d'en avoir parlé, parce qu'ils en avaient assez envie, mais ils craignent toujours que le fait d'en parler en premier soit un signe de faiblesse de la position. Donc de temps en temps, finalement, les parties ne demandent que ça, mais elles attendent qu'on leur tende une perche. Et dès lors qu'on distingue bien arbitrage et conciliation, le problème n'est pas tellement celui de l'existence du pouvoir de conciliation qui n'est pas niable, mais c'est plutôt celui des modalités de son exercice et puis de l'opportunité de son exercice. Alors, quelques mots sur les modalités de l'exercice de la conciliation par l'arbitre. Il y a deux questions auxquelles il faut répondre. Quand et comment? Quand, je dirais qu'il n'y a pas de règle générale. À quel moment proposer ou essayer de pousser les parties à recourir à la conciliation? Dans les colloques, on entend tout. Au début, parce que la situation n'est pas encore trop cadenassée. À la fin, parce que les parties ont pu voir quelle était la force respective des arguments de l'autre. Alors, je donnerai ma réponse qui tient en une seule phrase. Quand faut-il proposer la conciliation? Eh bien, la réponse est à tout moment, mais pas n'importe quand. Ce qui veut donc dire qu'il faut, au cas par cas, apprécier en fonction du degré de maturité du litige et des circonstances de l'espèce. Il me paraît totalement inutile d'essayer de trouver une règle générale applicable dans tous les cas. Comment? Eh bien, ou bien on conseille aux parties de recourir à un conciliateur, ça peut être surtout ou partie du litige, ou bien on peut agir de manière peut-être plus autoritaire en leur disant qu'on aimerait les renvoyer vers telle personne, vers un conciliateur. Il y a une autre possibilité que l'arbitre peut utiliser, qui est un système indirect, et qui consiste pour lui à rendre une sentence partielle. Sentence partielle sur le fond, c'est-à-dire par exemple sur le principe de la responsabilité, en expliquant aux parties ensuite, au moment de la reprise de la procédure, que peut-être que pour la liquidation du dommage, elles ont des éléments plus précis que ne pourrait l'avoir l'arbitre, ou en tout cas une vue plus précise de la réalité. Et les parties ont parfois, d'ailleurs à juste titre, peur de ce que l'arbitre pourra finalement trouver comme montant à distribuer. Et finalement, les parties peuvent se dire, bon, ben maintenant qu'on sait qui est responsable, autant se débrouiller nous-mêmes pour la liquidation du préjudice. Quitte à ce qu'elle s'adjoigne à un tiers expert. Là, on repasse avec cette idée de complémentarité entre l'arbitrage et les autres modes amiables de règlement des conflits. Alors, la sentence partielle peut rendre de grands services. Je voudrais rapidement rapporter une expérience que j'ai eue
À propos d'un arbitrage CCI, le lieu de l'arbitrage était à Paris, le droit belge était applicable. L'une des parties était une société européenne, membre de l'Union européenne, et l'autre une société d'Extrême-Orient. C'était un litige qui portait sur la cessation d'un contrat de représentation qui avait duré très longtemps, qui avait commencé dans un pays, qui s'était étendu dans un autre, etc. Les parties avaient tenté de se concilier pendant 6 mois, toutes seules, avant l'arbitrage. Ensuite, ce qui m'était soumis, c'était d'abord des problèmes de compétence, savoir si j'étais compétent pour les litiges relatifs au contrat de base ou aussi au deuxième contrat. Il y avait des questions de recevabilité, une question de prescription. Il y avait des questions de fond, savoir si la rupture était brutale ou non. Et puis, il y avait aussi une question de fond assez compliquée, parce qu'il y avait une clause d'exclusivité qui s'appliquait uniquement aux produits anciens et améliorés, mais pas aux produits nouveaux. Donc, on voyait apparaître ici une question assez délicate, technique, sur la distinction entre produits améliorés et produits nouveaux. Alors, j'ai rendu une sentence partielle sur la compétence, sur la recevabilité, sur la brutalité de la rupture. Et puis, pour le reste, j'ai donné simplement quelques indications générales en expliquant qu'il y aurait sûrement besoin d'une expertise technique et puis que sur le reste, j'ai posé quelques principes de solutions en montrant que je n'irais pas au-delà de ceci ou de cela. Mais j'ai montré qu'il restait encore pas mal de questions assez complexes pour la suite. Quand nous avons repris l'audience, les parties m'ont rapidement, quand je leur ai cité la possibilité d'essayer de se concilier, elles m'ont dit qu'elles avaient parfaitement compris le message subliminal qui était dans la sentence partielle. Mais elles m'ont dit, on a passé 6 mois à essayer de négocier seul, nous ne sommes pas arrivés, donc il faut un tiers. Je leur ai dit que c'était tout à fait mon idée. Et simplement, elles m'ont un peu surpris parce qu'elles m'ont dit, il faut un tiers qui connaisse bien le dossier, on voudrait que ce soit vous. Et donc, je me suis retrouvé dans cette position dont on parlera un peu plus tard, de l'arbitre à qui on demande en même temps d'être conciliateur. Alors, je renvoie à plus tard, qui est une discussion qu'on aura en même temps que Christian Cambouliv, sur cette possibilité, la possibilité de ce cas de figure. Quelques mots sur l'opportunité pour l'arbitre de proposer la conciliation. Je crois que c'est une question de culture juridique. C'est assez peu fréquent dans les milieux anglo-saxons. Je crois que ça va beaucoup plus dans le style des pays romano-germaniques. Et il y a eu des enquêtes, à mon avis, pas sur suffisamment de sentences. Je crois que plus qu'une question de nationalité ou de droit applicable, c'est une question de mentalité de l'arbitre. Il y a des arbitres qui considèrent qu'ils ne sont pas là pour rapprocher les parties, mais pour trancher un litige, et d'autres qui ont une vision plus large de la mission de l'arbitre. Alors, sur la question de l'opportunité, je crois que ça n'est utile de proposer la conciliation que si, d'une part, les parties sont toutes deux de bonne foi, parce que si on sent qu'il y a une partie qui n'est pas de bonne foi, c'est vraiment inutile. Et puis, il faut aussi sentir qu'il y a du grain à moudre. Si vraiment la question c'est oui ou non, s'il n'y a sûrement pas de juste milieu, je ne parle pas de milieu exact, mais de juste milieu, eh bien, je crois que ça n'est pas la peine. Si on sent que le moment n'est pas venu, si la question n'est pas mûre, je crois qu'il faut, se passer de cette proposition. Alors, si les parties se sont mises d'accord grâce à une conciliation, une aide en ce sens de l'arbitre, l'arbitre peut proposer de rendre une sentence d'accord parti. L'avantage pour les parties, c'est qu'elles bénéficient d'un accord, mais d'un accord qui n'a pas qu'une valeur conventionnelle, qui est coulé, si l'arbitre en est d'accord, en forme de sentence, ce qui permet d'avoir tout de suite l'autorité de chose jugée, d'obtenir facilement l'exéquature, et puis ensuite, en cas d'inexécution, de faire circuler la sentence. Alors, procéduralement, la sentence d'accord parti, c'est assez simple. L'arbitre, au départ, était saisi de deux prétentions opposées,
Et puis, il a ensuite été saisi de prétentions qui ont évolué et qui sont, en fait, deviennent les mêmes posées par les deux parties. Voilà, alors il y a d'autres possibilités. Pour la conciliation, je l'ai fait dans deux cas après la sentence. C'est-à-dire que la sentence était rédigée, on ne l'a pas donnée aux parties. Et on a proposé aux parties, en leur disant, de toute façon, même avec la sentence, vous continuerez à vous battre. Donc, si vous voulez, on peut laisser la sentence, elle est rendue à première demande, et puis on peut essayer de se concilier, ce qui a marché. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai épuisé mon temps de parole, largement. Merci votre micro n'est pas allumé. Pour ces premières indications. Monsieur Lobier, vous, en tant qu'utilisateur de l'arbitrage, quelle est votre position? Donc, on comprend du professeur Charosson que c'est un pouvoir de l'arbitre, pas un devoir de l'arbitre. Quelle est votre conception lorsque vous allez en arbitrage avec General Electric? Ça dépend, sans vouloir. En général, on favorise, nous, tout ce qui est conciliation, médiation, avant. Le but premier, c'est d'éviter le procès, d'économiser les coûts, de protéger la relation commerciale et de racheter l'incertitude, d'avoir un résultat moins favorable. Alors, on préfère le faire avant. Quand c'est pas dans le contrat et que la partie ne veut pas, il arrive souvent qu'on la fasse en cours de procédure. Et pourquoi pas, il y a des dossiers, effectivement, où on a besoin, surtout qu'ils sont très complexes, on a besoin d'avoir souvent ce premier round d'échange pour savoir où on en est, pour savoir quelle est la force et quelle est la faiblesse de notre dossier. On a eu des cas où c'était surtout avec des parties en Amérique du Nord, où ils ont même souhaité que la procédure de médiation soit prévue dans le calendrier procédural de l'arbitrage. Donc ils nous ont dit, on fait une première phase classique, requête, réponse, et avant de faire la demande de production de documents, on prévoit 2 mois pour faire une médiation. Bon, on a refusé, on a préféré. On l'a faite quand même, mais on l'a refusé à ce qu'elle soit dans le calendrier parce qu'on a voulu se attendre de voir, en fait. On ne veut pas prévoir quelque chose si on sent que la partie est de mauvaise foi. Comme disait le monsieur le professeur, ce n'est pas la peine d'aller faire une médiation et de perdre encore 2 mois et un peu de l'argent pour faire une médiation. Donc, la médiation, il vaut mieux transiger, trouver une bonne médiation. Est-ce que c'est le rôle de l'arbitre de la proposer? C'est vrai que ça peut être intéressant quand on a des parties qui se regardent un peu en chien de faïence, personne ne veut faire la proposition parce qu'ils ont peur de paraître comme étant la partie faible. Moi, j'ai jamais trop compris cette position. Au moment, c'est dans l'intérêt de tout le monde de transiger. Il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui souhaitent que l'arbitre le propose. J'ai eu des cas où l'arbitre nous l'a imposé. On a eu un cas où l'arbitre nous a dit « ma sentence est prête, mais on va faire une audience et vous allez essayer de transiger ». Ça a marché, mais c'était un peu le même cas de figure que ce que disait monsieur le professeur. C'est la sentence est prête, c'est vous qui voyez, mais vous pouvez l'avoir la semaine prochaine. Dans l'ensemble, je pense que les parties, quand elles sont suffisamment sophistiquées, elles n'ont pas besoin de l'intervention de l'arbitre pour leur dire n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire une médiation, vous pouvez toujours transiger en cours de procédure. Mais bon, ça dépend des cas. Il n'y a pas de règle absolue pour chaque différent. Cette possibilité peut-elle influencer votre choix de nomination d'un arbitre? Après, on rentre dans la question de savoir est-ce qu'on veut que l'arbitre soit le médiateur s'il devait y avoir une médiation en cours de procédure. Ça, on peut en parler peut-être après dans le processus, mais non. En Bolivie. Oui, si je peux rebondir sur ce que disaient Charles Jarosson et Christophe Lobier, ce second thème, c'était l'idée de savoir s'interroger sur le point de savoir s'il n'y avait pas une contradiction entre la saisine d'un arbitre et une recherche de conciliation. Et en fait, ça pose la question des attentes des participants à la procédure. Et les attentes, en fait, elles procèdent de plusieurs niveaux, de plusieurs dimensions. De façon générale,
En présence d'une situation litigieuse, il y a des parties qui peuvent avoir besoin, pour des raisons de place ou de principe, d'avoir une décision. Et ils vont recourir ou mettre en œuvre la clause d'arbitrage qui se trouve dans leur contrat, comme ils auraient recours à un tribunal judiciaire. Ils ont besoin d'une décision pour des raisons de principe. Et du coup, à créer ou anticiper une attente des parties de vouloir aller concilier dans une telle hypothèse, l'attente est inexistante, au moins pour l'une des parties. À l'inverse, dans les facteurs qui peuvent plaider pour identifier dans les attentes des parties un souhait de négociation, il y a ce qu'évoquait Christophe Lobier. Il y a la recherche d'une certaine prévisibilité dans le temps ou les modalités de résolution du litige. Il y a l'efficacité ou la célérité du processus. Il y a la confidentialité, parce que si elle existe en matière de transaction, qui est l'aboutissement d'une conciliation, elle n'existe pas nécessairement en matière d'arbitrage. Il y a la préservation des relations entre les partenaires dans le cadre d'une relation commerciale, et c'est un souhait qui peut motiver la recherche d'une solution conciliée ou qui résulte d'une médiation. Il y a évidemment la question des coûts. Donc ça, ce sont des attentes un peu générales qui peuvent se télescoper en fonction de la position respective de chacune des parties et des objectifs stratégiques qu'ils poursuivent. Les attentes peuvent aussi varier en fonction du contenu des conventions. Si le contrat ne contient rien de particulier, enfin, il va forcément contenir une clause d'arbitrage, puisqu'on est dans l'hypothèse où la résolution finale du litige irait devant un arbitre. Ça atteste déjà du fait qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties n'avaient pas d'attente particulière de vouloir recourir à un mode alternatif de résolution des litiges. Donc, une des deux parties peut encore se trouver dans cet état d'esprit. Mais ça suggère que, comme le décrivait Christophe Lobier tout à l'heure, qu'il va falloir faire un step à un moment où le litige est déjà né et où la situation entre les parties s'est plus ou moins cristallisée de façon négative, pour faire un premier pas en disant on va peut-être tenter une médiation ou une conciliation. C'est un pas qu'elles peuvent faire librement sans avoir besoin d'attendre l'intervention d'un juge ou d'un arbitre. Et ça pose la question de savoir si, une fois que l'arbitrage est engagé, il y a une plus-value à ce que l'arbitre, dont la mission est tout de même de trancher le litige sur le fond et de rendre une décision, peut mettre en cause sa légitimité ou d'autres critères juridiques, on va y revenir dans un instant avec Charles et Christophe, et donc mettre en danger sa mission d'arbitre en allant proposer ou imposer une mission de conciliation alors que ça n'est pas ce qui lui est demandé initialement. À l'inverse, si le contrat contient une clause qui fixe ou qui organise un préalable, parfois de négociation, mais dans le cas de figure qui nous occupe aujourd'hui, un préalable de conciliation ou de médiation avant d'engager la procédure arbitrale ou étatique qui permettra de résoudre définitivement le litige. Là, la force de cette clause de conciliation préalable dépend pour beaucoup de la rédaction de la clause. Charles en parlerait mieux que moi, mais est-ce qu'on est face à un préalable obligatoire de conciliation ou pas? Ça dépend, là encore, c'est affaire de cas par cas, ça dépend de la rédaction de la clause. Mais s'agissant des attentes des parties, ça traduit tout de même le fait qu'au moment de la rédaction de leur convention, les parties ont entendu structurer un processus pour éviter peut-être d'avoir recours à sa phase ultime que constitue l'arbitrage. La seconde interrogation qu'on peut avoir sur l'attente des parties lorsqu'on est en présence d'une clause tient évidemment au détail de sa rédaction et au type de procédure qui est envisagée. Est-ce que c'est une conciliation? Est-ce que c'est une médiation? Ces deux institutions étant... Enfin, on peut s'interroger s'il y a une vraie différence ou pas. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, dans l'acronyme anglais, MedArb ou ArbMed, dans lequel
le médiateur va ensuite devenir arbitre ou l'arbitre va ensuite devenir médiateur sur la même casquette. Et ça, ça pose de vraies questions pour le succès des deux missions et au regard des critères qui sont attendus des arbitres. On y reviendra dans un instant. Et donc, au fond, pour conclure sur ce premier point, les attentes, c'est affaire de considération générale, c'est affaire de rédaction ou de non-rédaction dans la convention des parties. Ça peut, comme cela a été rappelé tout à l'heure, être affaire de culture. En effet, le monde anglo-saxon qui est très attaché à la lettre du contrat, s'il n'y a pas de clause, il ne voit pas nécessairement pourquoi ils auraient recours à quelque chose qui n'est pas prévu. Mais en même temps, ils sont souvent pragmatiques, donc trouver un mécanisme de résolution plus rapide est peut-être acceptable. On dit souvent qu'en Asie, et notamment en Chine, il y a cette culture de la discussion, de la médiation et de la solution négociée dans l'intérêt de maintenir la relation future. Dans la tradition germanique, peut-être plus que romaine, mais chez les juges allemands ou chez les juges suisses allemands, dans la justice judiciaire, il est attendu du juge que celui-ci intervienne pour inciter les parties à négocier ou que le juge exprime en cours de procédure certaines vues sur le fond du litige, alors qu'en France, et alors même que dans le code de procédure civile, le juge judiciaire dispose de tous les pouvoirs pour le faire, c'est beaucoup, beaucoup moins usité. Voilà, donc au fond, la question, c'est peut-être plus celle du comment, quelle démarche, à quel moment, dans la mise en œuvre, plutôt que sur le principe, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que tout le monde s'accordera pour se dire, oui, ça peut avoir un intérêt, cette affaire de cas par cas, mais dans la mise en œuvre de cette possibilité de conciliation, c'est là que, comme souvent, dans les détails, se nichent les problèmes. Donc finalement, si on résume ce que vous avez dit, c'est une question d'esprit de l'arbitre et aussi de sensibilité à la fois de l'arbitre et des parties. Et encore une fois, on voit ici un peu l'esprit de sur mesure que comporte l'arbitrage, tant dans la mise en œuvre de l'arbitrage que dans la manière dont il peut s'exercer. Maître Cambouli, vous avez souligné justement que il faudra être attentif à la manière dont la conciliation par l'arbitre pourra se faire. Monsieur Lobier, y a-t-il des préférences, vous, en tant qu'utilisateur, vous préférez que l'arbitre concilie lui-même ou que ça soit un tiers qui soit chargé de cette mission? Ça dépend du type de médiation. L'avantage d'avoir l'arbitre en tant que médiateur, je trouve, en tout cas c'est mon opinion, mais c'est bien si on a une médiation qu'on va appeler évaluative. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir le médiateur et qui aide les parties en donnant son opinion sur les positions respectives. Alors, souvent, ils veulent le faire en séparant les parties, en allant leur parler directement, en leur dire, voilà, votre argument-là, il n'est pas génial, l'argument-là, il est fort, et inversement, à l'autre partie. Alors, quand je repense aux audiences qu'on a en arbitrage, où on regarde très attentivement la réaction des arbitres sur chacun des points pour essayer de comprendre quelle est la position de l'arbitre. Là, si vous avez votre arbitre médiateur qui vous dit, votre argument, il n'est pas super. Vous êtes sûr que vous allez l'écouter? Et je ne connais pas les chiffres, mais je serais pas étonné qu'on s'approche du 100% de réussite des transactions quand l'arbitre accepte d'être le médiateur dans une médiation évaluative. Parce que vous êtes sûr d'écouter, c'est pas la peine d'attendre la sentence pour savoir à quelle sauce vous allez manger, vous avez déjà une bonne idée. Donc ça, c'est bien. Au niveau efficacité, c'est très efficace. Et tous les cas de figure où j'ai eu un arbitre en cours de procédure qui nous a aidé à transiger, c'était dans une procédure évaluative. Donc ça a permis aux parties d'un peu savoir où elles allaient et c'est pas la peine de tenter le diable et d'aller voir la sentence. C'est différent si vous avez une médiation plus facilitative, c'est-à-dire que l'arbitre est là pour vous aider, il ne va pas donner son opinion, et il va vous aider à vous rapprocher.
Dans ces cas-là, ça me pose quelques problèmes parce qu'on a moins de transparence avec le médiateur. C'est-à-dire qu'une bonne médiation, les parties vont être très ouvertes avec le médiateur, vont dire des choses qu'elles vont dire au médiateur, ne le dites pas à la partie adverse, mais voici ce qu'on voit, comment est-ce qu'on voit les choses, etc. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire avec votre arbitre, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lui dire. Si la médiation ne fonctionne pas et qu'on repart à l'arbitrage, il y a des choses qu'on lui a dit qu'on ne pourra pas reprendre et donc on va faire très attention. Donc il y aura moins de transparence vis-à-vis du médiateur pour qu'il puisse bien faire son travail. Un autre problème, c'est, bon, je pense que ce sera discuté après, mais c'est les problèmes d'ex parte, c'est-à-dire que on fait tout ce processus arbitral où les règles d'ex parte sont très strictes, on n'a pas le droit de parler aux arbitres sans la présence de la partie adverse. Et là, on va laisser l'arbitre aller dans une salle seule avec une des parties, on ne sait pas ce qui sera dit. Nous, on ne pourra pas contrôler, on ne sera pas là pour contredire. C'est très problématique. On n'a aucun contrôle. Ça, c'est quelque chose qui est très dangereux, je trouve. Et un autre point, c'est que ça peut dépendre aussi du type de demande. Et je repense à un dossier que j'ai eu l'année dernière où on faisait une médiation, où je ne sais plus les chiffres, mais disons que nous, on demandait 15. La partie adverse faisait une demande reconditionnelle à 30 et on a fait 2 jours de médiation et on a transigé où la partie adverse nous payait 7. Est-ce qu'on aurait transigé si c'est l'arbitre avait été le médiateur? J'en doute. Parce que c'est très difficile pour une partie de dire, bon, je demande 30, il demande 15, je vais payer 7. Vous vous rendez compte à quel point vous critiquez votre propre demande. Vous avouez qu'elles étaient sur un fondement léger et souvent gonflées artificiellement. Donc, il y a plusieurs cas de figure où c'est compliqué d'avoir l'arbitre en tant que médiateur. Sauf, à nouveau, si c'est évaluatif, c'est-à-dire que l'arbitre vous donne un peu, comme Maître Cambouliff disait, il y a des juges qui vont vous dire ça. Ils vont dire, bon, sur tel, qui vont directement vous dire à l'audience, votre argument là, il n'est pas génial, votre argument là, il est très bien. Ce qui est très bien, parce que ça permet aux parties de se dire, bon, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin, on va réussir à trouver une solution tout de suite. Donc, ça va dépendre des cas, il n'y a pas de règle absolue. Bien, merci. Vous mettez justement le doigt sur la difficulté procédurale ou les difficultés procédurales que la conciliation par l'arbitre peuvent poser. Et là, je me retourne vers Maître Cambouli, Maître Jarrosson. Alors, à la fois vos missions de conseil en arbitrage ou alors d'arbitre, co comment vous faites face à ces problématiques En fait, le sujet, on est là dans la situation où l'arbitrage est pendant. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour mettre en risque l'arbitrage si la procédure doit se poursuivre jusqu'à son terme. Et on est dans un monde où l'arbitrage est de plus en plus encadré et qu'un certain nombre de critères de validité de la procédure sont examinés de plus en plus finement et régulièrement. Il en va ainsi du respect de l'indépendance des arbitres, de l'exigence d'indépendance des arbitres, de l'exigence de respect du principe de la contradiction, du respect de l'impartialité. Et là, c'est vrai que vous soyez conseil d'une partie qui est engagée dans un arbitrage, ou que vous soyez arbitre, se pose, mais à chaque bout du spectre, la même question, qui est s'engager dans une procédure de médiation avec un arbitre qui est en place. La procédure a commencé, elle est en cours, ou un tribunal arbitral. Si c'est la même personne et que la médiation ne réussit pas, alors la mission d'arbitre est en risque. Première hypothèse. Ou alors l'arbitre va utiliser tous les instruments qui existent en matière de médiation et notamment ou de conciliation et notamment les apartés qu'il peut avoir avec les parties. Et alors, il ne peut plus redevenir arbitre ensuite. Et du coup, il faut recommencer éventuellement le processus arbitral. Enfin, il y a un risque d'avoir à recommencer le processus arbitral parce que dans un cas comme dans l'autre, le risque, c'est que si on doit reprendre la procédure, la sentence soit fragilisée par ce
qui aura été des efforts de bonne foi d'un arbitre pour tenter de, d'amener les parties à une négociation sans succès. Ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Donc, c'est vrai que moi, comme utilisateur, que ce soit comme conseil de partie ou dans un rôle d'arbitre, j'ai tendance à préférer que, au-delà de la suggestion ou de l'incitation, et Charles en a décrit plein de possibilités, d'incitation faite vers les parties d'aller vers une tentative de conciliation ou de médiation, peut-être mieux que ça ne soit pas l'arbitre lui-même ou pouvoir être totalement médiateur ou plus totalement arbitre ensuite. Et de ce point de vue-là, juste pour conclure, avant de repasser la parole au professeur Jarosson, l'exemple des débats qu'a suscité la publication de ce qu'on appelle les règles de Prague dans notre jargon, il y a deux grandes règles de soft law, comme on dit, qui existent dans le monde de l'arbitrage. L'une sont les règles qui sont mises en place par l'IBA et qui ont eu pour but d'essayer d'établir un plus petit commun dénominateur entre les traditions procédurales de common law ou romano-germanique. Et leur mise en œuvre a suscité des réactions et ça a notamment pris la forme de ce qu'on appelle les règles de Prague qui émanent plutôt de juristes d'Europe de l'Est. Et dans ces règles, au nom d'un souhait d'amélioration de l'efficacité du processus arbitral, a été édicté écrit le principe selon lequel le tribunal arbitral peut, voire même doit agir comme médiateur et que l'arbitre qui s'est livré à une médiation peut continuer d'agir comme médiateur. Et la seconde règle qu'édicte ou que prévoit ces règles de Prague, c'est de permettre à l'arbitre d'exprimer un point de vue sur le litige, sur le fond du litige, à un moment très préliminaire de la procédure. Ça peut avoir un avantage sur le papier, si j'ose dire, ce que décrivait Christophe Loubier est assez juste, c'est-à-dire dans une médiation très évaluative où l'arbitre va vraiment dire, l'arbitre devenu médiateur, mais comme le juge, va dire, moi je pense ça de votre dossier sur ci et sur ça, si c'est en fonction de sa personnalité dit suffisamment fort, ça va nécessairement emmener les parties à concilier ou à trouver une transaction. Mais si ça ne marche pas, alors ça pose une vraie question. Parce que ça oblige, en tout cas, à s'interroger sur le point de savoir si l'arbitrage peut recommencer dans les mêmes conditions et avec le même tribunal arbitral. Pardon, Charles, j'ai été un peu long. Non, pas du tout. D'autant plus qu'on est à peu près d'accord sur tout. Ce qui est quand même intéressant, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure l'aptitude de l'arbitre à pousser les parties à concilier peut aller jusqu'à faire porter deux casquettes à la même personne. Alors, les anglo-saxons avaient inventé dans un but d'économie de temps et d'argent le MEDARB, en disant on commence par une médiation, c'est logique, et puis si ça ne marche pas, on demandera au médiateur de devenir arbitre. Ça a été un échec. Je crois que même dans les pays anglo-saxons, ça ne se fait pas plus, parce qu'évidemment, un médiateur est quelqu'un à qui on doit tout dire et avec lequel il peut y avoir des caucus. Par conséquent, effectivement, comme on l'a déjà souligné, on ne sait pas ce qui aura été dit et il y a un grand risque que finalement les jeux soient pipés parce qu'une partie aura pu être honnête avec le tiers et puis l'autre venir raconter n'importe quoi. Donc, exit le MEDARB. Maintenant, pour le reste, effectivement, ce n'est pas le même métier et c'est assez dangereux d'ouvrir une bulle médiation au milieu d'un arbitrage si c'est la même personne qui fait tout. J'ai eu cette expérience parce que les parties l'ont demandé. Je les ai fait réfléchir tout fort sur ce qu'elles me demandaient. Dans un premier temps, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à vous concilier ?
Elles m'ont dit, vous resterez arbitre. Du coup, j'ai relancé la balle dans leur camp et je leur ai dit, est-ce que vous envisagez que je ne puisse discuter qu'avec vous tous ensemble dans la même salle, ou est-ce que je peux vous voir séparément? Ils ont admis qu'on pouvait voir séparément. Donc, j'ai réexpliqué la difficulté. Manifestement, elles y tenaient. Donc, je l'ai fait et finalement, bon, ça s'est bien terminé puisqu'en 2 heures de temps, les parties ont transigé. Il n'y a même pas eu besoin de sentence d'accord parti derrière. Bon, mais ce n'est pas parce que je l'ai fait une fois et que ça a marché que je le conseille. Tout est possible, en fait. On est dans le cadre ici de la liberté contractuelle. Donc, si les circonstances sont réunies, si les parties et l'arbitre savent exactement quels sont les risques, eh bien, il n'y a pas de difficulté. C'est vraiment une question de confiance. Et sinon, je pense que le mieux, finalement, c'est éventuellement de renvoyer les parties vers un médiateur, enfin, ou un conciliateur, en ayant vu avec elles quel type de médiateur ou de conciliateur il faut qu'elles aillent voir. Sinon, pour le faire à la place, pour cumuler les deux casquettes, c'est une question d'indépendance, mais surtout une question de confiance des parties en l'arbitre. Maintenant, on peut aussi envisager que l'arbitre, ça c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, mais que je n'ai jamais fait, il faudrait que toutes les parties et les conseils soient d'accord, mais au moment de l'audience, quand l'arbitre connaît quand même déjà bien le dossier, je trouverais assez intéressant que plutôt que de faire plaider les parties pendant des heures sur des questions qui ne sont pas toutes intéressantes, l'arbitre dise aux parties, écoutez, voilà où j'en suis, je n'ai pas fini de réfléchir, mais voilà où j'en suis, et expliquez-vous par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, dans cette perspective-là, on pourrait avoir la possibilité d'avoir une discussion entre arbitre et partie. Enfin, tout ça, c'est possible, mais c'est dangereux. C'est une question de confiance envers l'arbitre. Et puis, s'il y a des caucus, là, il y a un vrai problème de principe de la contradiction. C'est que si on veut ensuite revenir comme arbitre, dans la sentence, il ne faudra se fonder que sur des choses qui auront été débattues par les deux parties. Autrement dit, si l'arbitre veut reprendre un élément qui a été donné par une partie, il faudra qu'il mette dans le débat cette question. Sinon, je ne crois pas au Chinese Wall à l'intérieur du cerveau de l'arbitre. Ça, je n'y crois pas. Bon, enfin, c'est vraiment un cas très particulier que la double casquette. Je préfère parler de complémentarité, ça me paraît plus judicieux et plus utile. En revanche, autant le MEDARB n'a servi quasiment à rien, autant l'ARBMED me paraît intéressant parce que l'ARBMED, moi je l'ai fait deux fois. Une fois, la sentence était écrite et signée et on a dit aux parties, on est prêt à la déposer chez un notaire, mais on pense qu'il est de votre intérêt de négocier. Et là, les parties nous ont institué à trois, les trois arbitres, elles nous ont institué médiateurs. Mais la sentence était déjà rendue. Par conséquent, il n'y a plus le risque qui peut exister d'avoir un arbitre qui essaye de concilier les parties, qui est un peu énervé parce qu'une des parties fait la mauvaise tête et qui ensuite revient pour la condamner. Donc, avec ce système, c'est pas mal. Je l'ai fait une deuxième fois parce que les parties, c'était un litige très compliqué et les arbitres n'étaient saisis que d'une partie du litige. Il y avait un juge des référés, il y avait le tribunal de commerce, il y avait la commission de la concurrence. Et on a proposé aux parties, là encore, on leur a dit, nous avons délibéré. Maintenant, en fait, le problème que vous posez est un problème global. Si vous voulez, on peut essayer de vous concilier sur l'intégralité des litiges qui sont portés devant différentes juridictions. Alors, les parties ont été ravies. Ça s'est bien passé, sauf que nous n'avons pas réussi. Il se trouve que l'une des sociétés était en train d'être rachetée. L'équipe qui s'en allait ne voulait pas prendre cette responsabilité et l'équipe qui arrivait ne connaissait pas assez le dossier pour accepter. Mais l'idée avait été favorablement acceptée par les parties. Donc, on peut jouer un peu comme avec des cubes.
On peut s'amuser à mettre les choses dans tous les sens. Il y a peut-être une dernière précision que je voulais donner quand M. Lobier parlait de médiation évaluative au début. Pour moi, ce n'est pas tellement de la médiation, ça peut le devenir. C'est plutôt une sorte d'expertise juridique qui intervient à l'orée du procès. On peut demander, par exemple, à un professeur de droit une consultation au nom des deux parties, et ou bien les parties ensuite vont négocier ensemble parce qu'elles ont déjà un avis, ou bien elles négocient avec cet expert juridique. Ça, on peut, là encore, ça montre que les modes amiables de règlement des conflits sont très souples et qu'on peut parfaitement les combiner avec l'arbitrage en faisant attention d'une part aux quelques règles de procédure civile qui sont d'ordre public et d'autre part surtout aux questions d'opportunité qui dépendent des parties, des rapports qu'elles ont entre elles, etc. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Sur ce dernier point, et si on peut faire le lien entre les propos de M. Lobier et vos propos, professeur, en fait, ce qui est important, c'est que les parties puissent avoir, alors vous mentionnez l'expert juridique, M. Lobier mentionne l'arbitre, c'est-à-dire en fait une donnée tierce qui va leur permettre d'avoir un avis indépendant sur en fait leur situation. Et de ce fait-là, leur donner la possibilité et la responsabilité de négocier un accord, cette fois, et là on retourne dans le débat que nous avons eu, avec l'arbitre ou avec un tiers, si je comprends bien. Il y a juste une petite distinction entre les deux cas, c'est en général, enfin, de l'expérience que j'ai eue, quand on a une médiation évaluative, le médiateur ne dit qu'à la partie concernée quelle est la force de son dossier. L'autre partie ne le sait pas. Elle ne sait pas ce qui est dit à côté. Donc c'est un peu différent, mais c'est vrai que on peut être très imaginatif. À partir du moment où on peut avoir quelqu'un qui nous dit voilà mon analyse, ce qui est le cas par exemple dans les matières de construction, quand on a un adjudicateur en Angleterre ou un DAB, ils sont là pour ça. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'arbitrage si on veut. Mais voici la décision qui sera binding au court terme, mais vous pouvez aller à l'arbitrage pour avoir une décision qui sera plus structurée, où on mettra beaucoup plus d'argent, qui sera beaucoup plus poussée, mais on a une indication. Et c'est pour ça qu'une fois qu'ils ont introduit l'adjudicateur en Angleterre, le nombre de cas qui sont allés ensuite devant les tribunaux a considérablement réduit. Ce n'est pas parfait, mais ça donne une très très bonne indication de la force de son dossier. Et c'est peut-être pas la peine d'aller pousser. Donc, là, c'est une troisième solution, mais on est toujours un peu dans le même état d'esprit. C'est que si on peut avoir une première idée de la force du dossier, ça aidera nettement les parties à transiger. Et donc, peut-être pour faire le lien avec la dernière partie de notre table ronde, est-ce que c'est une pratique que tous les trois vous souhaiteriez inciter, c'est-à-dire un arbitre qui s'engage sans aller jusqu'à être médiateur, qui s'engage un petit peu dans une évaluation du dossier, et plus largement, quelles incitations vous pourriez imaginer pour pousser cette pratique conciliatoire dans l'arbitrage, dans les limites que vous avez tous les trois évoquées? Si vous voulez commencer. Alors, moi, je parle un peu du principe que si les parties veulent négocier, et pour arriver à une transaction, il faut avoir envie de négocier, au fond, quoi qu'on puisse ajouter à ce qui existe déjà dans les différents règlements, dans les différentes conventions, dans les différents instruments, il y a plein d'incitations qui existent. Et la question que vous posez, c'est de savoir s'il faut encore quelque chose de plus pour inciter à la médiation. Franchement, je suis perplexe sur le point de savoir s'il y a un mécanisme qui serait de nature à inciter plus les parties à aller vers ces solutions alternatives. Par parallèle, j'ai envie de dire, on n'a pas le sentiment que les efforts faits par le législateur français dans le code de procédure civile pour inciter au recours à la médiation ou à la conciliation aient véritablement porté des fruits importants. En matière d'arbitrage, on est face, dans la plupart des cas, à des opérateurs un tout petit peu plus organisés ou sophistiqués, puisqu'il faut déjà une clause d'arbitrage. Donc, c'est un peu la pratique des parties
de prévoir si véritablement c'est un objectif chez elle que de s'ouvrir la faculté d'une solution transigée plus rapide, plus économique, plus efficiente sur le plan opérationnel, d'avoir cela dans leur clause et de le construire dans leur clause, d'ouvrir de rappeler cette possibilité. Mais c'est vrai une fois encore que le fait de prévoir une étape préalable de médiation ou de conciliation, c'est bien lorsque ça existe. Et dans la mise en œuvre, parfois la situation n'est pas mûre à ce moment-là. Peut-être qu'elle le sera plus tard dans le déroulé du contentieux, mais au début, ça n'est pas encore suffisamment cristallisé ou mûr pour une solution. Et c'est là qu'il faut garder de la souplesse. Et la souplesse, c'est le fait de tous les acteurs, hein, utilisateurs comme M. Lebier, arbitre ou conseil des parties, de savoir se reposer la question en permanence et interroger le recours à la médiation. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'une disposition statutaire supplémentaire pour renforcer le besoin ou le recours à la conciliation. Oui, je suis assez d'accord avec Christian Cambouli. Du point de vue des incitations, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. On peut peut-être penser dans les règlements d'arbitrage à simplement rappeler que l'arbitre peut pousser les parties ou les aider à se concilier, enfin, ou à les renvoyer à la conciliation. Il peut y avoir des règlements, des institutions d'arbitrage qui parallèlement, et presque toutes le font aujourd'hui, prévoient des règlements d'expertise, des règlements de médiation. Bon, sinon les incitations, ça vient... Il y a le rôle des conseils. J'ai vu dans le chat là, que Diana Paraguto propose... dit qu'il faut aussi penser au rôle des conseils. Effectivement, les conseils sont très importants dans cette optique. Et puis aussi, si les conseils se connaissent, s'ils savent qu'ils sont tous deux assez portés vers la conciliation, ils peuvent de même en parler ou ils peuvent suspendre une procédure d'arbitrage. Puis il ne faut pas s'imaginer que c'est toujours tout ou rien. Ça peut être sur certaines questions. Et c'est là aussi que l'arbitre peut aider, c'est qu'il peut peut-être dire, écoutez, il y a quelques questions sur lesquelles vraiment il y a une difficulté, mais il y a d'autres questions sur lesquelles vous pourriez vous mettre d'accord, par exemple celle-ci ou celle-là, où il y a des petits, dans un litige de construction, il y en a quelques-unes, ça m'est arrivé d'essayer de le faire, d'ailleurs sans succès, c'était pour alléger ma tâche. Je leur ai dit, il y a quelques grosses questions qui sont complexes, mais enfin, il y a quand même une dizaine de points qui sont peut-être très techniques, mais qui valent chacune 3 000 euros, vous pourriez peut-être vous en occuper tout seul. Tout ça est possible. Est-ce que je peux profiter, j'ai lu un peu les différentes questions, il y en a quelques-unes qui m'étaient adressées, est-ce que je peux répondre ou est-ce que c'est trop tôt? Peut-être juste avant d'entamer les questions, je voulais m'assurer que Christophe Lobier, est-ce que vous, sur les incitations, vous avez justement une opinion là-dessus? Est-ce que vous rejoignez Maître Cambouli ou le professeur Gérosson? Est-ce que vous souhaiteriez aller plus loin ou la situation actuelle vous satisfait? Bon, il y a déjà beaucoup d'incitations pour transiger. La seule qu'on n'a pas, que j'ai trouvée assez intéressante, je n'ai pas encore assez d'expérience avec pour savoir les cas de figure où ce serait problématique, mais c'est dans des pays nordiques, par exemple, où on peut communiquer au juge l'offre transactionnelle faite et refusée par la partie adverse, qui donc a forcé les deux parties à aller au litige, et les coûts de la procédure seront potentiellement imputés au demandeur s'il a obtenu la même chose que ce qui était offert par la partie défenderesse, ou un peu plus. Ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on a eu les cas de figure où on avait des demandes artificiellement élevées et on a fait une offre qu'on trouvait raisonnable et ça a marché. Parce qu'ils se sont dit, ça coûte cher d'aller faire une procédure là-bas, ça va prendre du temps et en plus, ça se trouve, je vais payer deux fois les frais d'avocat pour arriver au même résultat. Donc ça, je trouvais ça intéressant, mais je n'ai pas encore assez de recul là-dessus pour vous dire si c'est essentiel à avoir dans le droit français. Référence au sealed offer, c'est ça de, oui, je crois que Chris n'est pas là, essaye de promouvoir en arbitrage. Professeur Gérosson, la partie question est ouverte, donc je vous en prie. Alors, j'en ai noté quelques-unes.
question là, qui vient d'être posée sur l'existence de décisions de juridictions étatiques qui auraient pu discuter de la question de l'intervention d'un arbitre en tant que médiateur dans le cadre de recours aux procédures d'exécution. À ma connaissance, non, il n'y a pas eu de difficulté. Il y a eu de la jurisprudence dans des cas où des conciliateurs se sont crus arbitres et ont rendu une sentence. Finalement, ben, la sentence a été annulée parce qu'ils n'ont pas respecté leur mission. Mais sinon, je n'ai pas vu de cas comme ça. On me posait la question de savoir s'il y avait des effets de la conciliation après la sentence qui pourraient venir dénaturer ou poser des problèmes d'autorité de chose jugée. Réponse, non, absolument pas. Une fois que la sentence est rendue immédiatement à l'autorité de la chose jugée, ça n'empêche que déjà les parties peuvent renoncer à l'autorité de chose jugée. Les parties peuvent transiger après un jugement. Donc ça ne pose pas de problème. Faut-il que l'arbitre, sur son profil, indique qu'il est conciliation friendly? Je ne crois pas. En revanche, ça peut se savoir. Et puis, si les conseils pensent que c'est important, au moment où les conseils prennent contact avec un arbitre pour savoir s'il n'a pas de conflit d'intérêt, etc., à mon avis, ce n'est pas gênant de demander à l'arbitre s'il a des dispositions ou s'il pense que ça fait partie de sa mission ou qu'il est plutôt prêt à faire ce genre de choses ou non. Éventuellement même de dire on préférerait avoir un président qui soit quelqu'un qui soit tourné vers la conciliation, etc. Autre question, il y a une question qui m'est posée par Maître Billemont à propos des sentences d'accord parti. Deux questions, l'une, est-ce qu'on peut appliquer la Convention de New York? Réponse oui. Sans aucun problème, parce que la sentence d'accord parti est une sentence. La Convention de New York ne définit pas dans son article premier, elle ne définit pas la sentence, mais elle ne fait pas de différence, on n'a pas de raison d'en faire non plus, et je crois qu'il n'y a aucune difficulté. En revanche, la question est posée pour la Convention de Singapour. Alors, la Convention de Singapour de 2019, c'est une convention particulière parce que c'est une convention sur les accords de règlement consécutif à une médiation. Alors, là, de deux choses l'une. Si il y avait déjà un arbitrage, qu'ensuite il y a une médiation, on peut à ce moment-là rendre une sentence d'accord parti. Maintenant, s'il y a d'abord une médiation, on ne peut plus, en cas de succès, on ne peut plus démarrer un arbitrage parce que la condition fondamentale pour démarrer un arbitrage, c'est qu'il y ait un litige au départ. La caractéristique de la sentence d'accord parti, c'est qu'il y avait un litige, à la sortie il n'y en a plus, mais il y a une sentence. Mais on ne peut pas commencer un arbitrage sans litige, parce qu'à ce moment-là, ça serait autre chose. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions pour moi, mais je laisse peut-être les autres répondre aux questions qui les concernent. Oui, alors, pour Monsieur Laubier, il y a une question qui vous a été adressée par Nasser Bouzid. En pratique, la procédure de ArbMed, excusez-moi, ça c'est pour un truc en boulot, c'est Maître Nuang Wang Trantang. La distinction entre médiation évaluative et la médiation pour rapprocher les parties semble fine. Comment la faites-vous, Christophe Laubier? Comment s'assurer qu'un médiateur censé évaluer la force des arguments des parties uniquement, preliminary assessment, ne va pas tomber dans une discussion allant au-delà lors de la médiation? Oui, la distinction est fine. Très schématiquement, vous avez le médiateur qui aide les parties à se rapprocher. C'est quasiment un psy. Vous allez dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Il va se retourner vers le parti et va dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aide les parties plus ou moins. Il y a un peu moins de... Ça met dans un contexte global, mais il n'y a pas d'analyse des arguments. On pourrait le faire quasiment sans les arguments. Le médiateur n'est pas là pour donner son avis. Il est juste là pour donner la parole à l'un ou à l'autre. Bon, après, ils ont chacun des stratégies différentes. C'est ça qui est intéressant, notamment la culture anglo-saxonne, de manière très différente, même quand c'est de la facilitative de faire la médiation. Mais l'évaluatif, c'est simple. Il va vous prendre dans la salle, il va vous dire, là, quand vous dites ça, c'est moi, je suis pas d'accord, le contrat, je ne le lis pas comme ça. Bon, ben, voilà, vous êtes à vous de gérer ensuite ce que vous pensez de votre cas. Alors que le facilitateur, il va pas vous dire ça. Il va dire comment est-ce qu'on peut trouver une solution commerciale. Il va essayer de trouver des idées de solutions commerciales que vous pourriez proposer à la partie adverse. C'est pas du tout la même approche.
Donc, il y a aussi la transformative, je ne saurais même pas bien l'expliquer. Donc, il y a plusieurs types de médiation, plusieurs approches, certaines plus agressives, entre guillemets, de la part du médiateur que d'autres. Voilà. Merci. Et en pratique, ça s'ajoute au-delà de la labellisation que décrit Christophe Laubier, ça tient aussi beaucoup à la personnalité du médiateur. Il y a des médiateurs qui ne pourront jamais faire une médiation facilitatrice, ils ne seront que dans l'évaluatif, parce que c'est leur façon de se comporter. Et lorsqu'ils sont arbitres, parce que parfois certains ont les deux casquettes, même si ce n'est pas du tout le même métier, des médiateurs évaluatifs, c'est plutôt des arbitres assez présents et assez dirigistes dans les procédures. Et c'est à la fois cette affaire de psychologie personnelle de l'arbitre et de conviction de sa part sur ce qui est de nature à faciliter la résolution du litige, que ce soit par la voie négociée ou par la voie contentieuse. Ce qui veut dire que quand on choisit le médiateur, on se renseigne avant pour savoir quel type de personnalité il a, pour savoir à quoi on s'engage quand on le prend comme médiateur. Oui, bien sûr, ça évite les déceptions. Maître Cambolive, une question vous était adressée, donc là, cette fois par Nasser Bouzid. En pratique, la procédure de HARPMED est-elle toujours peu utilisée en France ou bien au contraire, son utilisation est-elle devenue plus fréquente à l'heure du Covid-19? Je crains que le virus n'ait eu aucune incidence sur le peu de succès de cette institution. Bien, on ne peut pas tuer un mort. Voilà. Proportions gardées. Je m'adresse maintenant à tous les participants. Y a-t-il une dernière question ? Sinon, il nous reviendra dans les temps de clôturer cette table ronde. Je vous remercie tous les trois pour le partage de vos expériences et je profite de cette conclusion pour parler un petit peu de ce qu'est la Global Pan Conference de Paris. C'est une association qui a été fondée il y a 4 ans dans le cadre d'un cycle de conférences mondiales, 40 conférences dans le monde, pour interroger toutes les parties prenantes sur le règlement des différents commerciaux. Quelles étaient les problématiques qu'elle rencontrait. Et le but de tous nos événements à Paris, donc après, c'était en 2016, après cette série de 40 conférences, nous avons continué à Paris à maintenir cet esprit, à continuer à organiser ce type d'événement et à vouloir se faire se rencontrer, donc toutes les parties prenantes. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui avec le professeur Jarosson et sa casquette d'arbitre et de professeur, avec Maître Cambolive en tant qu'arbitre et conseil, Maître Laubier qui a été conseil et qui maintenant est conseil interne, si on peut dire, de l'entreprise. Ça a été très complémentaire. Je vous en remercie. Je remercie tous les participants pour leurs questions. Et je vous dis à dans 2 jours pour la dernière table ronde de ce cycle de la GPC et du CNB. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.